Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Avec vous, Nasser Amedjadeh, le bilan des agressions meurtrières de l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée continue de s'alourdir. Il s'élève à 1843 martyrs et 7138 blessés, annonce le ministère palestinien de la Santé. 70 martyrs et plus de 200 blessés à Gaza pour la seule journée d'aujourd'hui. Le président palestinien met en garde contre un déplacement massif de Palestiniens qu'il compare à l'exil de 1948 après que l'armée sioniste ait donné l'ordre à plus d'un million de personnes d'évacuer le nord de Gaza. Le Hamas s'y oppose farouchement, il l'a signifié en bombardant ce vendredi le siège du commandement militaire de l'occupation dans la localité occupée de Safd. Le Hezbollah se dit, lui, entièrement prêt à intervenir contre l'entité sioniste au temps voulu, assure le numéro 2 de la formation. Situation dramatique également, Cisjordanie occupée. Les colons ont même été armés par l'occupant sioniste pour opérer des actes criminels. Vladimir Poutine met en garde contre une éventuelle opération terrestre qu'envisage l'occupant sioniste et qui pourrait engendrer, dit-il, des pertes humaines parmi les civils. Le Conseil de sécurité tient ce vendredi une réunion d'urgence consacrée aux derniers développements dans les territoires occupés palestiniens. Que faut-il attendre de cette réunion? Il ne faut pas s'attendre à cette instance une résolution ferme pour condamner les atrocités que subit le peuple palestinien, nous dira Badis Ranissa, expert en questions internationales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pas de répit donc pour les Palestiniens qui continuent de subir les bombardements de l'armée sioniste. Le bilan des agressions meurtrières de l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée s'est alourdi. Il s'élève à 1843 martyrs et 7138 blessés, annonce le ministère palestinien de la Santé qui appelle à l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'acheminement de l'aide. Les derniers développements avec vous, Lies Tarini. Bombardement sur bombardement, l'entité sioniste continue de cibler Gaza, forçant les Palestiniens à quitter leur sol. Le nord de Gaza notamment, avec un ultimatum de 24 heures, mais le peuple palestinien et le mouvement Hamas affirment ne pas céder. Malheureusement, les représailles sont brutales côté sioniste. Les enfants ne sont pas épargnés. 70 Palestiniens sont tombés en martyrs rien qu'aujourd'hui, refusant de quitter leur foyer. Mohamed Shtaya, le premier ministre palestinien, a déclaré qu'Israël commet un génocide en continuant de bombarder Gaza. On rappelle que face aux raids sionistes, les Gazaouis ont même été appelés à effectuer la prière d'El Jumoua chez eux. Pour sa part, l'ONU a lancé un appel humanitaire urgent pour des secours à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Et depuis samedi dernier, de nombreux journalistes sont tombés sous les bombes de l'occupant sioniste. Aujourd'hui, on a appris la mort d'un journaliste de l'agence Reuters. Trois autres ont été blessés, dont la journaliste et le caméraman d'Al Jazeera, alors qu'ils étaient dans une voiture au sud du Liban, à Alma Eshab. Et en même temps que les bombardements continuent de part et d'autre entre l'entité sioniste et le Hezbollah libanais. Mais la résistance palestinienne ne faiblit pas. Au contraire, les brigades d'Al-Qassem ont visé et touché Tel Aviv. Des roquettes ont pu atteindre également Safd, Asqalan et Sidrout. Et 1 million de personnes vivant dans la bande de Gaza menacées par les agressions sionistes n'ont pas d'endroit sûr où aller, s'inquiète le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Les images en provenance de Gaza sont horribles. Il y a beaucoup d'enfants parmi les victimes. C'est inacceptable. La violence doit cesser immédiatement, dénonce l'UNICEF MENA sur son compte X. Et environ 50 000 femmes enceintes ne peuvent actuellement bénéficier des services essentiels à Gaza en raison de l'agression sioniste, indiquée l'Organisation des Nations Unies pour la santé reproductive et la population. La peur s'est désormais répandue au sein de cette organisation qui dit être incertaine quant à la sécurité et au bien-être des femmes enceintes ainsi que des filles. La bande de Gaza qui subit donc une tragédie depuis une semaine, elle est soumise à un embargo depuis 17 ans qui coupe sa population du monde. Aucun accès de vivres ou de médicaments n'est toléré par l'entité sioniste. Comment dans ce cas et du côté du Liban voisin se présente la mobilisation et la solidarité envers le peuple palestinien meurtri? Dans quelles conditions s'exprime cette solidarité et via quel canal? Élément de réponse avec Jamel Khalil, membre du bureau politique du Front de la Résistance Populaire Palestinienne. Il répond depuis le sud du Liban, Asmaïl Mimouni.
Au Liban, on se prépare à toute éventualité. Toutes les forces vives du Liban sont mobilisées, que ce soit le Hezbollah ou la résistance palestinienne, pour affronter toute éventuelle attaque de cette guerre américano-sioniste qui risque de s'élargir. Aujourd'hui, à titre d'exemple, après la prière du vendredi, toutes les populations arabes, palestiniennes, libanaises, jordaniennes, irakiennes vont manifester pour dire non aux crimes sionistes. L'Algérie reste constante dans sa position. Nous étions dernièrement en Algérie et nous saluons la position du peuple algérien, celle du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et de la présidence algérienne qui ont exprimé leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. Situation dramatique également en Cisjordanie. Les incursions des colons dans la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa se sont intensifiées. Les colons ont même été armés par les autorités sionistes pour opérer des actes criminels. On écoute à ce propos Mohamed Ghnaïm, rédacteur en chef du site d'information Ramallah News. Il répond à Lias Talrini. Le ministre sioniste extrémiste de la Défense, Itamar Ben-Gvir, a donné l'ordre de distribuer des armes aux colons ultra-orthodoxes. C'est pour organiser des crimes, des actes de vandalisme et des attaques sur notre peuple, des civils. En Cisjordanie, où il y a environ 1 million de colons, l'armée d'occupation se charge de les protéger et les encadrer en leur apportant un soutien logistique de taille. Hier, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs ici. Tous les passages vers les villages palestiniens sont fermés. À Qosra, un père et son fils ont perdu la vie, ils ont été ciblés par les tirs de colons. Les colons ont attaqué une voiture à Ramallah qui transportait une femme, elle est tombée en martyr. Il y a eu également des confrontations entre les jeunes palestiniens et les colons armés, ce qui a alourdi le bilan des morts. Au Liban, le Hezbollah libanais a affiché son soutien aux brigades d'Al-Qassam. Des manifestations populaires ont été organisées dans les pays voisins. Cette guerre risque-t-elle d'entraîner dans cette escalade sioniste toute la région? On écoute le politologue jordanien Hassam El-Omari, il répond à Lias Talrini. Je pense que les Israéliens et avec eux les Américains essayent d'empêcher. Les régimes arabes en place, à commencer par la Jordanie, mais pas seulement, ne souhaitent pas évidemment ou ne peuvent pas. Je pense que la pression populaire va augmenter. Le Hezbollah, il a exprimé son soutien à la résistance, que le Hezbollah réagisse, essaye de provoquer et de monter la pression sur Israël. Mais de là, une guerre ouverte dans la région, je crois qu'on est loin un peu encore. La sauvagerie israélienne, les crimes commis à Gaza peuvent changer les choses. Et d'un côté, Israël a beaucoup d'intérêt à ce que ça ne se développe pas. De l'autre côté, le Hezbollah il a beaucoup de calculs internes liés à la situation interne au Liban. Et aussi, c'est clair que la présence des porte-avions américains dans la Méditerranée, ce n'est pas pour attaquer Hamas ou Gaza, c'est pour mettre de la pression sur Hezbollah, les Iraniens, la Syrie. Et des rassemblements de soutien à la cause palestinienne s'organisent tant bien que mal dans différents pays, tant bien que mal et difficilement en Europe, dans la capitale française. La préfecture a refusé de délivrer une autorisation aux manifestants qui ont été dispersés par la police, tandis que des marches pro-israéliennes se sont déroulées sans problème. Le franco-palestinien Salah Hamouri, avocat et militant des droits de l'homme expulsé l'année dernière de la Cisjordanie vers la France, qualifie la position française de honteuse. Il le dit à Lias Talrini. Ce qui se passe en France, puis en Europe, c'est une intervention auprès d'Israéliens directs dans cette guerre. Les interdictions des manifs, les interdictions de rassemblement, tirent des gaz sur les manifestants. C'est une honte pour la France. C'est un soutien total. C'est un feu vert donné par l'Europe, par la France, pour ce qui se passe à Gaza, qui tue des milliers aujourd'hui. Le discours de Macron, qui a aussi dit clairement à Israël, faites ce que vous voulez à Gaza, au point international, nous, on vous soutient. Tous les mensonges qui étaient dits dans la presse française et la presse mondiale, c'est pour passer cette politique. Aujourd'hui, on est devant un plan politique pour la région très dangereux. Les Israéliens veulent vider Gaza. Il y a un projet de transfert très, très dangereux. Alors, à mon avis, il faut qu'on soit responsable au niveau de cet enjeu qui est devant nous. Et le président palestinien Mahmoud Abbas a mis en garde contre un déplacement massif de Palestiniens qu'il a comparé à l'exil de 1948. Ceci après que l'armée sioniste ait ordonné à plus d'1 million de personnes d'évacuer le nord de Gaza. Le Hamas, lui, s'y est opposé farouchement. Il a signifié en bombardant le siège du commandement militaire de l'occupation dans la localité occupée de Safd. L'ONU a averti que cette éventuelle évacuation de risque d'entraîner une situation catastrophique à Gaza où la situation humanitaire s'est déjà
considérablement dégradé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan juge de son côté inacceptable l'appel à l'évacuation adressé par l'entité sioniste à tous les civils de la ville de Raza. Le président turc a par ailleurs critiqué l'envoi par les États-Unis d'un porte-avions dans la région, une décision qui, selon lui, ne contribue pas à la paix. Et cette déclaration du président russe Vladimir Poutine, Washington néglige, dit-il, les droits historiques et légitimes du peuple palestinien. Poutine met en garde contre l'opération terrestre menée par l'entité sioniste à Raza qui risque d'engendrer des pertes humaines parmi les civils. Le plus important est d'arrêter l'effusion de sang, estime le président russe. Le CICR s'est exprimé également sur l'opération déluge d'Al-Aqsa contre les cibles de l'occupant sioniste. Cette opération ne justifie pas que Raza soit détruite, prévient le comité international de la Croix-Rouge. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité tient en ce moment même une réunion d'urgence consacrée aux derniers développements dans les territoires occupés palestiniens. Pour Badis Renissa, expert en questions internationales et politologue, la réunion du Conseil de sécurité intervient en retard. Il ne faut pas s'attendre, dit-il, de cette instance, une résolution ferme pour condamner les atrocités que subit le peuple palestinien. On l'écoute. Je dirais qu'à l'image de l'Occident, le Conseil de sécurité manque de dextérité, de cohérence, de rationalité, mais surtout d'efficacité, surtout quand cela concerne bien évidemment la cause palestinienne. Un chiffre évocateur, 84 résolutions de 1947 à 2020, jamais appliquées et jamais sanctionnées. Une impunité inacceptable et même réfutable. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités face à une violence sans précédent de la part de l'entité sioniste qui, aujourd'hui, se moque du droit international et se moque également du droit humain le plus simple. Une expédition punitive dont fait les frais plus de 2 millions de Palestiniens dans une prison à ciel ouvert. 6 000 bombes en moins d'une semaine, 4 000 tonnes d'explosifs, c'est plus que ce qu'a bombardé les États-Unis en un an en Afghanistan. Je crains que le Conseil de sécurité va s'inscrire une énième fois dans une posture de l'autruche et se noyer dans un mutisme abject et confus. Donc je présume, de mon point de vue, que le communiqué final à l'image de celui de la Ligue arabe sera timoré, déphasé et inconsistant. Pas assez ferme et coercitive à l'encontre d'un terrorisme d'État assumé et impuni, voire même soutenu, qui se nourrit chaque jour de la division de la communauté internationale et se nourrit également des accords d'Abraham de normalisation pour mettre en sourdine, voire exterminer les revendications des Palestiniens. Les Algériens suivent de près l'évolution tragique de la situation dans les territoires occupés palestiniens et particulièrement en Gaza. Leur état de la solidarité, intellectuels et artistes apportent leur soutien au peuple palestinien pour dénoncer via leurs écrits ou leurs chansons les exactions et les crimes barbares de l'entité sioniste contre un peuple meurtri. Sora Herzlan. Face à la tragédie humaine que vit le peuple palestinien, l'heure est à la mobilisation et à la solidarité. Les intellectuels, à travers leurs plumes, leurs toiles ou chansons patriotiques, s'impliquent. Emin Zawi, écrivain. C'est une tragédie humaine. Il faut une mobilisation des intellectuels à l'échelle internationale. Il faut un front solide pour dénoncer cette situation inimaginable. Il faut condamner les assassinats. Il faut penser à une résolution finale pour ce conflit qui dure depuis 70 ans. Je pense que c'est le moment pour que les intellectuels, et je crois que c'est la force transparente qui pèse beaucoup à l'échelle internationale, qui peut faire beaucoup de choses. Danielle de Zahiria, chanteuse, estime que les artistes doivent porter à travers leur répertoire la douleur du peuple palestinien. La majorité des victimes sont des enfants, des femmes. Les criminels sionistes tuent sans pitié alors que le reste du monde regarde. Les artistes doivent porter la voix, la douleur et la souffrance des Palestiniens. Sincèrement, je suis fière que notre pays, l'Algérie, reste attaché à la cause noble. Nous, on doit soutenir notre pays dans sa démarche historique pour la cause palestinienne. Les intellectuels et les artistes algériens restent engagés pour soutenir la cause palestinienne et apporter leur contribution via leurs écrits pour certains et via leur voix pour d'autres. Chez nous, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera ou répondra demain samedi aux préoccupations soulevées par les membres de l'APN sur la déclaration de politique générale du gouvernement qu'il a présentée mardi dernier. Les travaux reprendront donc demain à 9h. La séance sera consacrée à l'audition des derniers députés enregistrés sur la liste des intervenants dans le cadre du débat général sur la déclaration de politique générale du gouvernement. La séance de l'après-midi sera consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires suivis de la réponse du Premier ministre. Direction Bouira, avec cet incendie important, plutôt important, qui s'est déclaré au niveau de la forêt de Kaderia. Sans plus tarder, Aïssa Choua, notre correspondant sur place, pour les détails.
Un feu s'est déclenché aux environs de 13h à Benifouda, dans la commune de Kadiria. L'importance de l'incendie ayant plusieurs foyers et la présence du feu durant cet après-midi ont fait que l'opération d'extinction devient plus compliquée, ce qui a nécessité le renforcement des pompiers de Kadiria par la colonne mobile et le détachement régional de la protection civile installé à Bouira. Également sur les lieux, les agents des forêts, des éléments de l'AMP et les éléments des collectivités locales. Bouira, Aris Chachoua, Algérien 3. Les bénéficiaires de l'allocation chômage et n'ayant pas de qualification vont devoir repasser par la case formation. Plus de 88 000 places leur ont été réservées lors de la récente rentrée de la formation professionnelle qui s'est déroulée dimanche dernier, selon l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi. Un mot sur les cours du pétrole qui ont rebondi ce matin. Le baril de Brent de la mer du Nord a dépassé les 89 dollars. On arrive au sport. Nessima Djaoud, bonsoir. Bonsoir Nassala. Football, mise à jour de la première journée de la Ligue 1. Le CRB s'est largement imposé face à l'US Sauve 3-0. Pour le compte de la mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 mobiliste, tout s'est joué en première période. Le Chabab a ouvert le score par Abdelrahman Mezian à la 16e minute de jeu, Ishaq Boussouf à la 43e minute de jeu et c'est Abdelraouf Benrit qui aggrave la marque à la 45e plus 1 minute. Et donc, et après la pause, eh bien, le score en restera là. Et grâce à ce succès, 3-0 face à l'US Sauve, le champion d'Algérie en titre se hisse provisoirement à la 7e place en compagnie du CS Constantine et du Mouloudia d'Albayad avec 6 points. Le CRB disputera un dernier match de mise à jour mardi 24 octobre en déplacement face au Parado Athletic Club. Un autre match de mise à jour est prévu demain, donc ça sera demain au stade de Dar al-Bayda. L'USM Alger affrontera l'USM Khanchla à partir de 15h30. Troisième journée de Ligue 2, favorable à l'espérance de Moussa Ghanem à l'ouest, Khemis El Khachna et le MC Batna à l'est, Nassima. Justement, ce groupe Est qui a vu l'équipe de Libé Khemis El Khachna et la formation du MSP Batna se partager la première place. Khemis El Khachna est revenu avec le point du match nul de son déplacement à Mila face à l'équipe du NRB Tlarma 0-0, alors que le MSP Batna s'est imposé face à Ain Mlila 1-0. Par ailleurs, le Cap Batna est sur le podium, 3e après son match nul ramené de Annaba face à l'USM Annaba 0-0. La JS Borj Menayel s'est imposée face à Chelroum Laïd 2-0. Et alors que rien ne va plus du côté d'El Harach, El Harach battu par l'IRB Ourgla 1-0. Et on vient d'apprendre que la direction de l'USM El Harach annonce officiellement le retrait du club de la compétition de la Ligue 2 en raison de la crise financière que connaît le club. Demain, suite de cette troisième journée dans le groupe Centre-Est, une rencontre à partir de 15h qui opposera les deux promus, Magran et Akbo. Également à 15h, le Mouloudia d'El Alma affrontera sur le Roslen. Lundi, suite et fin de cette troisième journée pour le groupe Centre-Est, le MOC de Constantine affrontera dans le derby de l'Est, sera opposé dans le derby de l'Est à l'AS Khroub. Dans le groupe Centre-Ouest, c'est l'Espérance de Mosta Ghanem, seul leader après avoir gagné son derby face au Wydad de Mosta Ghanem 2-1. On retrouve en deuxième position Maskal qui a fait match nul tenu en échec par Mechelia 0-0. Deuxième place que partage également le RC Kouba qui est allé gagner à Oran face à l'Azmo d'Oran 1-0. L'équipe de Kléa, le promu, a écrasé la JSM Tiaret 4-0. L'équipe de Wetzli s'est imposée face à l'Alba 2-1. Boufarik est allé faire match nul à Guir, l'équipe de la région de Béchar, dans la région de Abadla, 0-0. Timouchen s'est imposé face au SCA Khemis Meliana, 1-0. Alors que l'Olympique de Médéa a été tenu en échec par le Nasser Houssindey, 1-partout. Il est 19h, passé de 18 minutes. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Hafid Medja et Fatah Mokhouk à la réalisation, Samir à la console technique et Nejma à la régie. Dans un instant, la météo avec Amin Mounir. L'information revient à 19h30 pour le flash spécial consacré à la situation en Palestine occupée. Ce sera avec Karim Wali qui sera là tout au long de cette soirée et à 23h pour la dernière édition. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous rester fidèles. L'information sur la chaîne 3 continue 24h sur 24 sur notre page Facebook Radio Alger Chaîne 3 ou facebook.com/chaîne 3.